Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve sur ma ferme Occitane, en compagnie bien sûr de mon poteau Jérémy. Vous l'entendrez tout à l'heure, donc on se retrouve aujourd'hui, ce matin en épisode. Donc au programme, on a pas mal d'activités, donc de la pulvérisation, on a fait de la pulvérisation, on a fait, on a pirouetté, on a endainé, on est en train de presser, on finira en live cet après-midi. Donc j'espère, voilà, mais j'espère que ce petit épisode en tout cas vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve nous juste après la petite intro. Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve donc sur la série Ma ferme Occitane et ma ferme Auvergnate. Auvergnate, voilà, j'avais perdu le mot. Voilà. En compagnie de mon poteau Jérémy, ça va mon poteau ? Mais ça va et toi ? Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Donc, pour tout vous dire, les amis, parce qu'on vous dit tout, en fait, j'entendais pas Jérémy, ça coupe, je l'entendais très loin et ça coupe énormément. Ouais. Donc, on va modifier un petit peu voilà, l'épisode. Bon, moi, je vais continuer un petit peu plus, voilà. Voilà. Et Jérémy a repris là, donc on en était au point d'eau. Voilà. Pour tout vous dire. Voilà, du coup, on rattaque ici au point d'eau que j'ai réussi à placer enfin. Du coup, si vous voulez voir un petit peu sur la chaîne de 7, du coup, ce qui s'est passé avant, voilà, parce que vous ne verrez pas ce qu'on a fait avant, du coup, sur la chaîne de 7, parce qu'il y a un petit, voilà, je le dis également de mon côté pour ceux qui, voilà, des petits soucis d'ordre vidéo. Voilà, ouais. Voilà, on va faire ça comme ça. Et du coup, bah, pour ceux qui, voilà, ceux qui sont sur la chaîne de 7, si vous voulez voir ce qu'on a fait avant, bah, du coup, vous venez voir sur ma chaîne, façon voilà, la vidéo, comme exactement. Ça, vous allez voir, voilà, parce qu'il y a des petits soucis de. De record. De voilà. Record, voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà. On va dire ça comme ça. Et de pose d'eau. de pose d'eau, voilà, exactement. Du coup, on a réussi à placer, on a dû placer ça, les gars, voilà. On rattaque, du coup, on a placé ça. Enfin, c'est moi qui l'ai placé, c'est pas. Oui. C'est moi qui ai fait la connerie. J'ai placé ça ici pour question qu'on ait un point d'eau pour tous les deux. Un truc équitable avec la banque, avec une autre ferme, comme ouais. Ça on paye rien. Voilà. Et ça nous fait un point d'eau, sauf que j'ai fait un peu ça comme de la merde. Voilà, comme du caca. comme du caca. Et du coup, tant que ça marche, après je rectifierai ça, je m'en occuperai mon petit poteau. T'inquiète. D'accord, pas. Non, mais il y a on fera. Bon, après ça n'empêche pas d'accéder ça y est, pour le moment, donc ça va, il n'y a pas rien de dramatique, mais ça c'est pas posé. Très propre. Mais oui, c'est et vrai. Du coup, là on peut remplir, attends. Ou pas. Si, peut-être. Si, normalement, on doit pouvoir remplir. Donc là, donc du coup, oui, je suis désolé, les amis. Donc, j'ai pulvérisé un petit peu les mauvaises herbes. Là, on va prendre le plateau pour charger les bottes de paille qu'on va vendre. Et pendant le live, bien évidemment, on accueillera. Voilà, Jérémy a accueilli les moutons. Regardez, ils sont là. Les petits belots. Il en a mis 11, les je crois. Les petits belots. Voilà. Eh oui. 11 moutons. Donc, je vais peut-être en rajouter d'autres, je verrai. Voilà, on a loué la bétaillère. Ah, là, ça fonctionne. J'ai peur que ça fonctionne pas, mais si, c'est bon. On a loué la bétaillère, bien évidemment, donc du coup, on l'a loué à tous les deux. Et bien évidemment, on la rendra quand on aura fini, quoi. Hein. Voilà, donc on accueillera exactement, les vaches. Voilà. Voilà, on accueillera les vaches en live. Et ce que je disais, c'est que pendant le live, j'utiliserai la banque à 25 000 euros pour pouvoir acheter quelques vaches. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Du coup, je vais passer de pour ce être côté. Complet. Pour être complet, voilà. Bon, voilà, pour être complet. Et n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu aux deux vidéos. Regardez, on va croiser mon poteau Jérémy. Faut que je mette le gyrophare parce que sinon je vais me faire engueuler. Donc lui, il va. Attention, attention. Et mon plateau. Oh, mon plateau. Mon petit plateau. Je te l'ai piqué, ton plateau, mon poteau. J'en ai besoin. Mais fais que. Mon petit. Comme j'étais. Donc je t'ai ramené ton pulvérisateur. Donc je suis parti avec le pulvérisateur, les amis. Il y avait 120 litres dedans. J'en ai mis 147. Oui. Hein. Tiens à le dire parce que voilà. Il y a de la mauvaise herbe là, ça y est, ça pousse. Ah, tu pourras plus. Il m'en a laissé un petit peu plus, il est gentil. Il est gentil, poteau. Voilà. Non, mais c'est normal, c'est l'usure du matériel, vous voyez, les amis. L'usure du matériel, ouais, on va dire ça. Tu es gentil. Tu es gentil, tu es oui. Gentil, tu es bien brave. Oula. Oh, allez, ma bonté me ruinera. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, là. Les amis, c'est qu'on va pirouetter ça, on va l'endainer et puis on va le presser. Et puis on chargera quelques bottes, voilà. Et puis mon petit poteau, il arrêtera la vidéo quand il veut, bien sûr. Y a et pas ben moi, j'arrêterai un petit peu avant, comme ça vous aurez voilà. Ma fin de vidéo sur la chaîne de 7, du coup. Voilà. Vous verrez un petit peu comment ça se voilà, passe. Voilà, exactement. Et je resterai un petit peu plus avec vous, bien sûr, pour finir, voilà. Mais de mon côté, on arrêtera pour pas faire trop long. Voilà. Mais bon, il n'y a rien de dramatique. Hein, c'est, non. Voilà. Comme ça vous fait un peu plus de gameplay. Vous pouvez voir justement une autre raison d'aller voir les deux vidéos. Comme voilà. Ça, vous voyez un peu plus, du coup, de choses qu'on fait, voilà. Voilà, chacun de son côté, mais... De son côté, vous avez, en fait ça vous fait une vidéo, les gars, de pas loin d'une heure, quoi. Voilà. 50 minutes, facile, quoi. Voilà.
Ok, donc moi les moutons, je suis à jour, je suis pas mal là. Ouais. En plus, par contre, il va falloir que je rajoute du foin. Ah ouais, de l'herbe. Les moutons, c'est cool parce que t'as pas grand chose à leur donner à part de l'herbe et. Ah bah, je donne de l'herbe. Ouais, non, en vrai, y a rien. Y a rien du tout. Par contre, ouais. Est-ce que j'irai pas en acheter encore 5 de plus? Ouais, pour finir la vidéo, les gars, c'est ce que je vais faire. Alors, acheter 5 de plus. Mon poteau Jérémy, il a de l'argent parce que franchement, depuis le début de l'épisode, je peux vous dire qu'il dépense. Hein, ça y va, ça y va, écoute, tout va. Hein. Oui, là pour le coup, j'avoue, on avait un peu d'argent, on s'est fait plaisir. 11 moutons, bah, ça va faire 11 et 5, 16 moutons, du coup, c'est pas mal. Ouais. Et non, en vrai, je suis content. Ça commence à prendre fort. J'espère que ça va bien produire parce que c'est toujours à zéro la production, mais bon, faut peut-être attendre un petit peu que ça ouais. démarre. Si tu leur as mis de l'eau normalement. Ça devrait. Bah, il y a de l'eau là, ouais. Voilà, il y a de l'eau, il y a de la bouffe, il y a ouais. tout ce qu'il faut. Allez. Oula, bah, je suis dans le IH, dans la haie, là, tout va bien. Tout va très très. Et donc, je ne me passe pas de cette nouvelle acquisition, les amis, mon petit Fen 300. Ah, il l'aime celui-ci. Tout au beauté. Il l'aime celui-ci. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, oui, oui. Bah, hop, j'ouvre la porte. Qui n'aimerait pas avoir Fend, mon poteau? Dis-moi. Ah, mais moi j'adore aussi. C'est vrai, hein, c'est, faut le dire ce qu'il y a, hein, c'est de la qualité. Hein. Ah, bah bien sûr, c'est les boss. Ah les ouais, boss, ouais. C'est high finishing. C'est clair. Allez, on va déplier hop. Ça. On va pirouetter ça donc tranquillement. Là, j'ai pris 5... Ouais, 5 moutons, nickel. Et puis comme ça. Ce sera pas mal, quoi. Allez, est-ce que je peux donner de la paillachée, à ton avis, là, parce que j'ai de la paillachée dans l'auto-chargeuse. Moi, je tenterai. Est-ce que ça va la prendre au mouton. Tente, tu verras bien. Écoute, je vais tenter. Bah, bien sûr. J'ai jamais testé. Ouais. Paillachée au mouton, j'ai jamais tenté. On va tenter, les gars. Allez, régulateur, on y va. Il plaisir de pouvoir ouvrir les portes. Ah oui. Et ouvrir et fermer les portes. C'est fou, hein. Voilà. Ça change la vie. Il y a un bug de commande, quoi. Non, mais c'est ça, ça te change la vie, ça. Ah non, mais. Mais c'est vrai. Bah, déjà, oui, c'est clair que ça, sur le jeu, ça change la vie, parce que sinon, tu peux rien faire. Tu oui. C'est vrai, hein. Ouais, c'est. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, les amis. Nous, ça a été nickel, franchement. Semaine ensoleillée. La semaine... Yes. Je sais pas oui, toi, mais bon. La semaine prochaine, ils annoncent de la pluie. Hein. Ouais, pas top. Et puis froid en plus, ouais. Déjà ce week-end et tout. Oui, oui. C'est les pas giboulets, sensationnel. Les giboulets de mars arrivent, les gars. Et ouais, bah ouais, non mais c'est vrai en plus. Ouais, ouais, c'est... Alors, j'ai vu sur le téléphone même qu'il y avait de la neige annoncée pour jeudi, je crois. Donc, non. Truc de ouf. Ah ouais, non, mais... Toujours plus, quoi. Toujours plus. Vivement le 21, qu'on soit au printemps. Ah ouais, vivement le printemps, les gars, je vous le dis. Oh. Ah ouais, ouais, okay. Dans le printemps, ouais. Hop, on détient le semoir, on va tester si la paillachée fonctionne, et puis sinon on arrêtera la vidéo ici de mon côté. Voilà, et puis comme moi je continuerai un petit peu, vidéo, voilà. Voilà. Et... On le redit, on se retrouve en live, bien sûr, l'après-midi. Exactement, à 14h30, voilà, moi, et toi à 13h30, mon poteau. Voilà. Voilà, voilà, histoire de... Est-ce que ça a fonctionné? Faire un petit live tranquille. Et oui. Du dimanche. J'espère que ça a fonctionné. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner, la paillachée. Voilà. Et lundi, nous accueillerons. Capacité et de l'eau, j'ai plein. Et... Mais non, mais qu'est-ce que tu me dis, mec? Je sais plus qui on accueille lundi. je sais plus. C'est pas Néo? Si, enfin, Néo, voilà. C'est Julien. Voilà. Julien. J'allais dire Matt, mais non, yes. C'est Julien. Je sais pas pourquoi je vais l'appeler Matt, hein, sans déconner. Mon petit Julien, voilà. Le petit Julien, voilà, qui sera avec nous. Qui sera avec nous. Okay. Et je lui donnerai les mods, je lui donnerai tout ce qu'il faut. Bien, bien impeccable. Bien sûr, bien sûr. Impeccable. Voilà. Et ben moi, mon côté, les amis, on va arrêter. Parce que du coup, bon, la paillachée, ça prend pas. Mais on fera ça en live, je pense. On finira de les nourrir. Ah merde, ça prend pas. L'herbe. Non, ça prend pas. Donc, je vais mettre dans un silo, ça, ou je sais pas ce que je vais en foutre. Bon. Mais bon, c'est... Ou je pense que c'est... peut-être que je peux le vendre au truc de point de vente, je sais pas. Moi je peux te le vendre. En live, les gars. Tout dépend combien écoute... tu me le vends, mais moi j'en aurais peut-être besoin. Bah écoute, oh, oh bah écoute, on. Pour les vaches. On verra ça, ouais. Ouais, ouais, bah carrément, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah écoute, non, c'est vrai, c'est pas bête, j'avoue. Mmh. C'est pas bête du tout. C'est vrai que ça peut être une bonne idée. Bah écoutez, de mon côté, on va se quitter là-dessus. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Ouais. N'hésitez pas à voir l'épisode de Seb, si on va continuer un petit peu ensemble, bien sûr, de son côté. Donc n'hésitez pas à aller voir. Tout ça, donc merci mon petit poteau d'avoir été avec moi. Merci à toi mon poteau, avec plaisir mon poteau, merci à toi. Et puis on se retrouve cet après-midi en live bien sûr pour avancer. Oui.
Et voilà, n'hésitez pas à lâcher les pouces de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Et nous, on continue. Et voilà, c'est ça la magie, les gars. Et oui, c'est ça la magie des vidéos, les gars. Voilà, donc moi, je suis en train de presser, d'endeler mon foin. Voilà, de pirouetter mon foin, bien sûr. Pirouetter. Ben moi, je suis occupé de faire la miniature. Il va s'occuper de faire la miniature. Les gars, vous avez tous les backstage. Ah, les là, vous avez les coulisses, là, parce que du coup... ah là, les gars. Voilà, ah là, là, vous êtes gâtés. Non, on peut pas dire mieux, on peut pas dire plus. Vous aurez... en plus... Il reste pas énorme parce qu'on a déjà, on est déjà à 9 minutes, donc du coup on va pas aller bien loin, mais moi j'ai aucune idée de la longueur de ma vidéo. Il fait des vidéos de demi-heure, hein, mon poteau. Je chronomètre jamais les vidéos, et ça des fois je devrais, parce que des fois ça fait des vidéos trop longues, des fois pas assez. Bon, c'est le moyen après. Oui, c'est le moyen, autour de 25 minutes, c'est bien. Ouais, c'est bien, 25 minutes, c'est bien, ouais. Tu mets comme ça. Ça, et alors, est-ce que tu as coupé, mon poteau, la croissance des cultures? Il est en lente. Ok. Je sais pas si tu peux la laisser. Il n'y a pas de souci. Du coup, je referai moi aussi la miniature de mon côté. Oh non, je le laisse comme ça. Non, c'est pas grave. Parce qu'il y a pas... Oui, bon, après. Ah oui, parce que du coup, t'avais attaqué la boisson. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Et c'est lié, du coup, pour tout vous dire, c'est qu'on m'écoutait pas très bien du côté de Seth. Du coup, il a préféré recommencer. Et vu qu'on avait bien entamé l'épisode, moi, j'ai fait pas mal de choses intéressantes. Je voulais pas forcément trop recommencer. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire ça comme ça. Parce qu'en fait, j'entendais Jérémy vraiment très faible et ça coupait énormément. Alors, j'espère que là, ça aura marché pendant les 10 minutes. Parce que j'ai pas testé, puisqu'on est en train de tourner pour moi. Là, donc, du coup, donc j'espère que ça aura fonctionné. Comme j'ai enlevé la Go XLR, mais maintenant que je sais que c'est plus la Go XLR qui coince, bien évidemment je la remettrai, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, donc du coup, je la remettrai pour le live de dimanche, je pense, au moins. Au moins, voilà. Et comme ça, vous verrez l'Andener, parce que j'ai acheté un Andener, les amis. Ah! J'ai rien dit à personne, mais je l'ai acheté. Il l'a pas dit, ça. Il l'a pas dit, le coquin. Il me l'a pas dit, ça. T'as eu raison de ne pas me le dire, parce que là, du coup... Ah, je peux te le louer si tu veux. Donc, j'en ai pas forcément besoin. Un Andener, pas quoi que... Mais c'est quoi comme Andener que t'as pris? Ah, j'ai pris le Pottinger, le 2 toupies. DLC? Du DLC, ouais. Ouais, ouais. Ah, pas mal. Ouais, il est pas mal, il est ni trop large ni pas assez, tu vois, il est entre les deux, et puis ça, moi j'aime bien. Et puis avec le petit Fend là, mais c'est un régal. C'est un régal. Un régal. C'est un régal. Un régal. Ah non, je vais donner vite fait à manger au mouton, moi. Vous voyez, ça va super vite, les amis, avec ce petit Fend. C'est comme... Alors, tu dis que, j'ai plus d'argent, mais t'as quand même des beaux tracteurs dans ta ferme. Oui. Oui. J'ai un Fendt et un John Deere. J'aime la qualité, monsieur. Mais c'est vrai, mais tu as raison. Bon, John Deere, bon après. Commence pas, monsieur. Tout se discute, hein. On va pas... Non, ça se discute pas. Non, là, ça se discute pas. Ça se discute pas. Non. Non, c'est la qualité aussi, John Deere. On va pas se le cacher. Oui, ça reste. Oui. Mais à Fend, c'est au-dessus, je pense. Niveau qualité, niveau finition. Niveau prix aussi, je dirais. Aussi. Niveau prix, peut-être aussi. Voilà, John Deere, ils tapent quand même, ils allument. Ouais. Aussi, là, oui. Ça commence à. Non, mais voilà, après, bon. Cet après-midi, j'en ai vu un Fend avec un épandeur Roland. Trois essieux l'épandeur Roland. Ah oui. Oui. Par chez toi là-bas, ils ont ça. Oui, Arignac, ouais. Je l'ai croisé. J'ai fait bad deal. Il y en a qui ont de l'argent ici. Avec un 724, je crois. Ah oui. De mémoire, parce que je l'ai vu vite fait et il m'a laissé passer. J'étais en tracteur aussi. J'étais en tracteur aussi, ouais. J'étais avec un Renault, moi, 140 chevaux. Et avec la fourche avant. Et du coup,
Mais j'avais rien, moi, donc. Mais comme je tournais à gauche, en fait, lui, il arrivait en face et moi, je tournais à gauche et du coup, il m'a laissé passer. Priorité. Mais c'est vrai qu'il était beau, hein, et tu sais qu'il brillait. Ah. Ah ouais. Après, quand t'as des tracteurs comme ça, en général, t'en prends soin parce que bah, tu les entretiens comme il faut, t'en fais ouais. attention parce que. Je pense au prix que ça coûte. Justement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tous les jours, tu te dis, ah, je l'ai payé cher celui-là quand même. Ouais, non, mais c'est clair. Je pense que c'était un entrepreneur parce que, tu vois, fait. Ouais. Non, les agriculteurs par chez moi, ils n'ont pas. Ouais, vraiment, ils n'ont pas ça. Non, ils n'ont pas ça. Ouais, c'est souvent les entrepreneurs ouais, qu'on est. Ouais. Bah, du bon sais, matériel c'est... comme oui. ça. Oui, quand tu fais l'entreprise, il vaut mieux avoir du bon matos. Hein. C'est clair. Ouais, il va bien ce petit andaineur, regardez les amis. Eh bien, on refera la miniature avec l'andaineur. Eh ben voilà. Le pulvé chez toi, non? Oui, chez toi, non, monsieur, je voulais ramener. Je voulais ramener. Ah oui, je l'ai ramené. Je l'ai mis à côté de tes cuves et à côté de ton compresseur. Non, mais j'ai même pas fait gaffe, tu vois, je... En fait, ça m'a arrangé... Je suis mauvaise. Non, mais ça m'a arrangé de te le ramener parce que je t'ai piqué le plateau, donc... Ah, ben, c'est bien. Donc, voilà. Nickel, je vais pouvoir vite faire... Voilà. Passer un petit coup de... Ah oui, mais... De pulvérisateur. 47 litres. Ah, peut-être que ça va faire la parcelle, en vrai, je sais pas. Ah, si j'avais su, je t'aurais mis plus, mais... Non. Ah, je sais pas si ça va suffire. Mmh. Et t'en as plus de en plus, poteau. De ah non, c'est pour ça. Herbicide, ouais. Bon, au pire, je vais commencer, puis j'irai au pire en acheter s'il faut. Ouais. Après, on a mis le mode qui permet de réguler la dose, hein, donc ça a pas mal. Ouais. Ça permet de bien baisser quand même. On fait des belles économies quand même. Oui. Hein, ouais, parce que j'ai pas utilisé grand chose moi dans mon champ, et pourtant c'est le plus grand que j'ai. Ouais, non, mais ça a pas mal. Hein. Le mode là il est pratique en vrai, parce que des fois c'est un peu cheaté, je pense. Là. Ouais. Et vous voyez, on va faire. Une fois qu'on a fait les tours après, ça va vite. Hein. Ah bah, une fois que t'as fait les tours dans le jeu. Ouais. Mais dans la vraie vie aussi, hein. Dans la vraie vie aussi, c'est vrai. C'est clair. Pas que t'as fait les tours après, hein, c'est un régal. T'as fait les tours, c'est vrai, ouais, trop. Puis bon, c'est pareil, hein, je veux dire, voilà, avec ce petit andaineur, bon, même s'il est pas très gros non plus, ça t'en avance quand même plus qu'avec l'autre, quoi. Hein. Oui, ah oui, avec le. Oh, l'autre, c'est. Oui, c'est une tendance, l'autre. Hein. Le 1 toupie, ah oui, avec le 1 toupie, là, bon. Mm. C'est clair que. Mais on n'en voit plus beaucoup des andaineurs. Une toupie maintenant dans les fermes, c'est rare. Non, c'est rare, ouais. Souvent, c'est ouais, deux. Oh, c'est du deux, ouais, sur les deux toupies, ouais. Ouais, puis bon. Même les pirouettes, après, c'est les pirouettes de compétition, quoi. Tu vois, ah oui, c'est plus les pirouettes à quatre toupies, quoi. Là, c'est plus 6 que 4, hein. Ah oui. Quand tu vois ça, tu te dis, mais. Tu m'étonnes qu'il faille les tracteurs de plus en plus puissants aussi. Forcément, puissant, qui coûte de plus en plus cher. Et de plus en plus cher, oui. Mais oui, poteau. C'est surtout ça, c'est que ça coûte. Ouais. Bon, c'est comme tout, hein, maintenant tout coûte cher, tu me diras. Mais... Oui. Mais bon. Allez. Et bien voilà, les amis, regardez. Ça, c'est pas mal, ça se fait bien. Le chantier évolue bien. Oui, nickel même. Je dirais aux petits oignons. C'est parfait alors. Tac, moi je vais finir pile poil, impeccable. Et bien on a trouvé l'activité. Bah, tu vois, 147 et j'ai consommé 20 litres, hein, c'est rien. Ah ouais, c'est que dalle, hein. Mais ça me va bien, c'est bien. C'est bien, c'est aussi, parfait, hein. Ça. C'est pas mal, ouais. C'est nickel. Là, il y aura du rendement au maximum en plus. Ouais. Fertiliser deux fois et herbicide, ouais, nickel, impeccable. Je savais qu'il fallait pas que je dételle la presse. Tu vois, j'ai eu le nez fin. Pourquoi? Mais j'ai du foin à botteler maintenant. Ah! Qu'on vendra bien sûr en live, les amis. Et après, on aura de l'argent comme ça. On a des céréales à vendre aussi. On a des céréales à ramasser. Et des bottes à ramasser, bien sûr.
Est-ce que, alors, est-ce que les moutons, ils produisent ou pas 0 litre de laine pour le moment. Bon. Ah. Je fais un petit peu de sauvegarde quand même au cas où. Ouais. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, les amis, on va se quitter là pour ma part. Voilà, donc j'espère que ce petit épisode voilà, vous aura plu. En tout cas, merci, mon poteau Jérémy. Toujours un plaisir, voilà, comme tu dis, de se retrouver, bien sûr, en live, bien sûr, mais aussi en épisode. Toujours. Voilà. J'espère, en tout cas, voilà, que ça vous aura plu. Ben, n'hésitez pas, bien sûr, à nous retrouver tout à l'heure en live à 15h pour ma part et mon poteau Jérémy à 13h30. Voilà, je le rejoindrai sur la partie. Ouais, voilà, 13h30. Voilà. J'arrive. Ouais, je cours, il est là, mon poteau, il est là, il est là. Et nous, on finira tout ça, bien sûr, en live. Voilà, on va faire la miniature avec mon poteau. Voilà, comme ça, on est tranquillou. Eh bien, on vous souhaite à tous et à toutes, bien sûr, une très bonne matinée. On se retrouve, on se dit à tout à l'heure, hein, parce qu'on va pas... Voilà, on se dit à tout à l'heure. Et ben, merci pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir les deux vidéos, à mettre des gros pouces bleus aux deux vidéos. Et on vous dit à tout à l'heure, les amis, en live. Bye bye. Il dit pas au revoir, mon poteau Jérémy. Vous voyez, je t'ai pas entendu. J'étais pas entendu, mon poteau, tu vois. Et deux fois, même. En fait, j'ai dit en même temps que toi, j'ai dit ciao, j'ai redit ciao. Ciao.